Mes chers amis Lyon, c'est votre mois d'anniversaire. Vous avez eu votre grand tableau, la grande image du petit Lenormand, avec vos prévisions sur 6 mois. J'espère que vous êtes heureux et satisfait de ce cadeau. Alors, maintenant, voyons un petit peu, parce qu'il n'y a pas de raison que vous passiez à l'as. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez eu un grand tableau pour votre mois d'anniversaire que vous n'avez pas droit à votre tirage sentimental. Bien que vous auriez peut-être préféré vous en abstenir parce que c'est pas génial. Bon, dans tous les cas, vous le savez, je ne maîtrise pas l'oracle sur ce qu'il a envie de vous dire. Je n'ai pas de choix à part celui de le lire. Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous êtes stressé par rapport à des nouvelles, par rapport à un courrier. Vous êtes dans une attente de recevoir cette lettre et ça vous stresse. Ces nouvelles, ce SMS, ce mail. Dans tous les cas, il peut être pour vous question d'angoisse ici, dans le fait de recevoir ou de ne pas recevoir ce courrier. Le renard, le fou et le chemin, ceci est votre tirage. Donc, il y a au niveau familial des conflits. Il y a dans le cadre d'une ruse, peut-être venant de quelqu'un ou de vous-même vis-à-vis d'une situation qui est uniquement charnelle, des décisions à prendre. Donc, si ça impacte le domaine familial, relationnel de la famille, dans lequel vous pourriez avoir des difficultés, des conflits, peut-être même le besoin de prendre la route, de vous échapper ou de revenir, on ne sait pas. Ici, dans tous les cas, on vous parle d'une union, d'une association, de membres de la famille pour lesquels on aimerait se réunir. Il y a peut-être une sortie de prévue pour vous à Lyon dans le cadre de discussions en lien avec des documents, mais si ça impacte la famille, hein, des éclaircies sur ces documents que vous aimeriez avoir, peut-être aussi une notion de satisfaction par rapport à ces documents. Il n'en reste pas moins que les souris ressortent avec la clé. Donc, les solutions qui sont là, dans le cadre d'une situation relationnelle familiale, sont pour le moins pas totalement satisfaisantes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Maintenant, c'est dans le cadre d'une relation plus ou moins charnelle et pour aller retrouver cette personne, on vous dit que il y a des possibilités pour que cette histoire soit révélée au grand jour. Si vous êtes dans le cadre d'un lion célibataire, écoutez, ça ne pose pas vraiment de problème, hein, bien que ça a l'air de vous stresser malgré tout. Si vous êtes engagé, là, effectivement, on peut comprendre qu'il y ait aussi souvent la souris dans votre tirage. Et pourtant, il y a des solutions qui vont être là, hein, donc pas véritablement d'angoisse particulière à avoir dans cette première solution, je dirais. Mais par rapport à un cadre relationnel, par rapport à une union avec quelqu'un et cette situation dans le jardin, il semblerait que c'est assez lourd. Alors, si ça touche le domaine familial, dites-vous que là, on va parler de la famille au sens large. Et visiblement, il y a quelques peines, quelques pleurs par rapport à cette famille, par rapport à ce groupe familial, peut-être vis-à-vis de parents, de grands-parents. Dans tous les cas, il semble qu'il y ait des blocages entre vous. Et là aussi, on vous parle de trouver des solutions, mais les solutions ne sont pas réellement satisfaisantes à 100%. Disons qu'on se tempère, vous voyez, afin de modérer la situation qui peut impacter la famille. Maintenant, si ça touche une union plus ou moins secrète, on l'a vu, dans tous les cas, pas dévoilée, elle peut être cachée, mais tout à fait entre deux personnes célibataires, hein, sans aucun problème. Il semble qu'ici, il y ait des difficultés ou pour vous réunir ou pour aller au jardin, dans tous les cas, des blocages, des retards pour lesquels on trouve des solutions qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes là non plus. Et dans votre résultat, on parle de retour à une certaine morosité, de remettre un coup de fouet, je dirais, dans les problématiques qui vous impactent.
Peut-être si c'est par rapport à la famille, ça toucherait une mère de famille. Donc on a des conflits peut-être avec une maman, on a des conflits peut-être avec les enfants d'une maman ici, ou peut-être simplement par rapport à une sexualité, il y a des difficultés à atteindre un but fixé. Alors, moi je suis curieuse, je veux voir si ça va se débloquer cette situation. On va essayer de mettre une carte supplémentaire pour voir ce que l'oracle nous dit pour vous par rapport à ces conflits générationnels ou alors des problématiques pour atteindre une situation charnelle. Qu'est-ce que ça peut donner, mes amis lions? Alors. J'ai même du mal à sortir la carte. Bon, pas mal. Avec le bouquet d'un côté et de l'autre côté, nous avons les poissons. Donc, les échanges continuent. Peut-être que les conflits sont d'ordre financier dans cette situation avec les poissons par rapport à des versements qui vont être faits ou qui n'ont pas été faits. Dans tous les cas, s'il y a une notion de sentimental, et de cacher, il y a aussi la notion d'échange qui sont très impactants au niveau sentimental. Et on ne voit pas vraiment la résultante, on ne voit pas si ça va se clôturer de la bonne façon, sauf s'il s'agit de conflits en lien avec des finances dans un cercle familial. Là, on voit quand même qu'il y a des versements qui vont être effectués. Ou peut-être que vous allez devoir effectuer, attention, hein, parce que ça peut toucher effectivement une fratrie, une famille, par rapport à des versements financiers qui touchent des parents, des grands-parents, qu'il faut peut-être faire parce que, il faut qu'ils soient placés ou pas, dans tous les cas. Ce sont des situations qui sont impactantes et émotionnellement, je dirais, lourdes. Voilà. Mes chers amis lions, j'espère que vous passez un très bon mois d'août et j'espère que cette petite situation de contrariété ne vous impactera pas trop. Amour des Gémeaux pour le mois d'août. Qu'est-ce que vous avez en tête? L'anneau et la tour. Vous voulez une élévation par rapport à un accord, une union, une relation? Peut-être même par rapport à un cercle familial, pourquoi pas, puisqu'on est dans le relationnel, émotionnel et pas forcément dans le domaine amoureux. Ici, on vous parle de trouver des solutions par rapport à une famille au sens large, par rapport à une histoire du passé et qui vous touche vous directement. Vous voyez, vous regardez vraiment ces deux cartes. Vous êtes tourné vers le passé, vers les solutions qu'il vous faut trouver sur ce mois d'août. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, en relation avec des membres de la famille, peut-être qu'il y a une distance entre certains membres de la famille et vous. Vous aimeriez peut-être retrouver un lien relationnel, familial important à vos yeux. Peut-être que simplement il y a la personne de votre cœur qui se trouve à distance et vous aimeriez que cette situation vous soit un petit peu plus. Soit pour vous un petit peu plus porteuse, un petit peu plus dans l'élévation des sentiments, de la relation, de l'engagement. Tout ça est possible et envisageable. Donc, ici, ça peut toucher votre foyer. Donc, quelque part, ça peut toucher des Gémeaux qui sont déjà engagés, qui sont déjà dans une situation relationnelle en tant que père de famille ou patriarche. On peut parler aussi de difficultés vis-à-vis d'un jeune, d'un enfant, par rapport à des échanges qui sont douloureux sur des situations compliquées du passé. Peut-être que vous êtes là dans le cadre d'une discussion avec un des membres de votre famille qui se sent un petit peu malmené au sein de cette communauté familiale et qui éprouve des difficultés à comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Il s'agit peut-être ici d'une jeune personne, que ce soit d'ailleurs un garçon ou une fille, hein, qui a envie de débattre avec vous et d'avoir des explications sur ce sentiment, ce poids, cette lourdeur qu'il sent dans la famille, au sein du foyer. Il veut peut-être évacuer les problématiques du passé, mais surtout les comprendre, pour pouvoir
peut-être mieux les gérer lui-même. Peut-être que c'est lui, cet enfant, cette personne plus jeune de la famille, cet enfant, ce neveu, cette nièce, enfin peu importe, qui se trouve en difficulté au sein de cette famille, qui se sent malmené, qui se sent triste et déprimé et qui veut savoir pourquoi. Il se peut que pour d'autres Gémeaux, il s'agisse ici d'une situation qui demande un renouveau, qui demande d'aller vers de la nouveauté. On vous dit qu'en tant que père de famille, vous devez aller vers un renouveau parce qu'il y a des échanges qui sont difficiles, qui sont lourds, qui sont problématiques, ou avec un ex-partenaire, ou dans une situation compliquée qui vous touche émotionnellement et qui fait partie de votre passé. Dans tous les cas, avec le fouet, on peut parler ici d'une notion de conflit, de conflit au sein du foyer, du conflit avec une mère, un père. On peut parler aussi de rivalité sentimentale. Il se peut que certains Gémeaux aient une personne dans leur cœur qui soit en dehors de leur couple et avec laquelle ils essaient de créer quelque chose. Dans tous les cas, vous voyez comme ce serpent regarde l'ours. On voit bien que le serpent, il attend l'aval de l'ours. L'ours est occupé pour l'instant. Il est en plein dans sa gestion familiale, relationnelle. Il fait preuve de certaines autorités et il y a une attente du serpent vis-à-vis de l'ours pour aller vers une proposition. Donc ici, pour certains Gémeaux, il s'agit vraiment de soulever un problème que vous avez au sein d'une structure, d'un noyau familial, je dirais, qui est lourd, qui est problématique, qui est difficile, pour aller vous amuser ou dans tous les cas avoir une relation avec ce fameux serpent. Ici, on voit bien qu'il y a des propositions et des solutions qui ne peuvent pas aboutir dans tous les cas. Donc, s'il s'agit d'un enfant qui est en proie à des doutes, à des problèmes, à du chagrin vis-à-vis du noyau familial, vous voyez bien qu'ici, il y a des conflits avec une mère ou une père de famille. Il y a aussi une notion de ne pas avoir été honnête avec ce père ou cette mère de famille et que tout ce qu'on envisage comme solution à apporter à cet enfant se retrouve bloqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers une résolution des problèmes que lui peut avoir. Parce qu'en définitive, ces problèmes, vous n'arrivez déjà pas vous-même à les solutionner. Voilà ce que ça veut dire. Mais par contre, s'il s'agit d'aller vers une relation charnelle avec une tierce personne, bien là aussi, on voit que les solutions que vous avez trouvées, les possibilités que vous avez envisagées ne peuvent pas aboutir. Peut-être que justement la solution est de clôturer cette situation du passé. Mais je ne pense pas parce que, voyez-vous, le résultat nous parle de discuter pour ramener la paix, que ce soit au niveau du noyau familial avec une jeune personne, que ce soit dans une relation cachée, secrète et plutôt charnelle. Il y a des discussions et beaucoup de communications qui s'établissent, certainement en vue de ramener une certaine paix, une certaine sérénité et probablement un espoir dans une situation qui, pour l'instant, ne veut pas bouger. Alors, je suis un petit peu curieuse, hein, vous aussi, je pense. J'aimerais bien voir si cette problématique peut être résolue. Si ce n'est pas sur le mois d'août, est-ce que ça va être résolu par la suite sur le mois de septembre? Pourquoi pas? Est-ce qu'il va y avoir donc solution ou pour cet enfant qui se pose des questions ou pour vous qui essayez d'aller vers une situation charnelle? En dehors des communications, est-ce que vous allez arriver à vous positionner correctement pour solutionner cette situation? Je vais dire que ça va être tranché rapidement et peut-être même coupé. Donc, non. Pour moi, c'est non. Ça risque d'entraîner une décision rapide et brutale. On ne voit pas ce qu'elle concerne, mais avec le livre qui était de l'autre côté, on peut penser que ça peut concerner une histoire secrète ou dans tous les cas, des choses que l'on veut garder secrètes. Ici, on nous dit que même si vous essayez d'apaiser les tensions, les problématiques,
au niveau de cet enfant ou de cette relation, la décision va être assez brutale. Vous allez garder les choses en statu quo. Voilà pour moi ce que ça veut dire. Et j'espère pour vous, amis Gémeaux, que vous allez pouvoir faire preuve de patience. Je vous embrasse dans tous les cas et je vous dis à très très vite. Bon mois d'août.